La flotte progresse vite dans l'Atlantique Sud. Le record des 24 heures pourrait même être battu. Telefonica a maintenu son avance sur ses poursuivants à quelques jours de l'arrivée à Cape Town. Au petit matin, Telefonica et Camper tenaient une moyenne proche de 24 nœuds. Chris Nicholson, le skipper de Camper, attendait des conditions encore plus favorables. We're finally heading for Cape Town. After, you know, skirting this South Atlantic high pressure system, and then tonight, tomorrow, a prefrontal northwester will blow in sort of 25 to 30 knots. So we're well and truly geared up for it. We've got all our sails aft, everything can go, the boat's aft, the crew are aft. So we're kind of ready for a quite a high speed couple of days. We should knock out several 500 mile days. Coming up to Cape Town. Sur Groupama, les quelques points de suture d'Erwan Israël n'ont pas affecté le moral du bord. Non, la suture en elle-même n'a vraiment pas été très douloureuse du tout. Il a vraiment très bien fait son travail. Donc, une bonne chose de faite. Pendant ce temps, Puma a fait le plein de gasoil. Ils attendaient avec impatience un bon dîner avec du poisson frais. We're working on dinner. Massive hook. Big bit of wire. Rhino's come up with this bloody invention. He needs a mustache though, it's November. Retrouvez toute l'actualité de la Volvo Ocean Race sur www.volvooceanracelorient.com.